Oh non, ça n'a pas filmé. Bon, bah, je vous montre. Allez, je vous montre. En fait, j'ai décidé de vous montrer mes peintures. Parce que je vais me remettre à la peinture, parce que c'est le moment. Je pense que c'est vraiment le moment de me remettre. Ça, c'est une femme de dos. Que voilà, c'est une invention avec une grande robe. Alors, nounours. Alors, on y va, puisque ça n'a pas filmé, donc je recommence. Ceci, c'était un essai. En fait, c'était pour faire un visage avec plein de couleurs, plein de peintures. Mon défaut, c'est que j'ai voulu entourer en noir et j'aurais pas dû. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça donne ceci, un visage un peu surnaturel. Voilà. Ensuite, nous avons celui-ci. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait. Et on va mettre Nounours. Ben non, mais Nounours, il ne veut pas le tenir. Hein. Eh, pépère! Voilà, on va faire comme ça. Voilà, ouais, vous avez les fleurs. Alors, moi, j'ai une passion, c'est Van Gogh. Voilà, donc, ça, c'est la patte de Nounours. Là, vous avez un autre bouquet. Alors, le mieux, c'est de le voir en entier, c'est clair. Mais ça ne tient pas. Alors, je vais vous faire comme ça. Voilà. Voilà, mes chouchous, mes bibis, mes doudous. Voilà. Faut savoir que ça fait longtemps que je ne les ai pas sortis. C'est parce que je me suis dit, je vais faire de la peinture. Et pour faire de la peinture, eh bien, il faut sortir son matériel. Et donc, j'avais toute ma peinture qui était coincée. Voilà. Hop, 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 hop. Comme je vous dis, j'ai vraiment une passion pour Van Gogh. Je vous montre. Oh, voilà, ouais, ça filme. Alors ça, c'est typique le gouvernement. C'est en ce moment, c'est vraiment, à mon avis, je devais être médium parce que c'est les points d'interrogation entremêlés. J'avais décidé de faire plein de points d'interrogation entremêlés. À la base, j'avais laissé comme ça, sans noir, et après, j'ai mis du noir, comme d'habitude. J'ai encore tout saccagé. Voilà, ça, c'est vraiment... l'art contemporain, poser des questions. Alors, je vous dis, on passe de tout à tout à rien. Alors là, vous avez, ben, c'est une sorte de nénuphar à ma façon, hein, parce que voilà, je sais pas, voilà, je vous montre. Ben, du coup, je vais vous montrer comme ça, comme il est allongé. Voilà, avec un fond, avec les feuilles de nénuphar. Alors, tout ça, si vous me demandez, c'est dans ma tête. Voilà, il n'y a rien qui n'existe, c'est tout est dans ma tête. Alors, après, si vous êtes prêts, hein, si ça vous saoule, vous regardez pas. Hein. Après, c'est des essais. Bon, ça, c'est moche. C'est moderne. Ça, c'est moche. Mais bon, bref. Ça, c'était un essai de fleurs. C'était celui-là, l'essai, en fait. C'était pas celui-là, le gros comme ça. C'était celui-ci. Voilà, mais bon, voilà ce que ça donne. Ensuite, je découvre avec vous parce que ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus. Alors ça, c'était un essai. C'est Lilet du gosier que j'ai à mon travail, que j'ai jamais repris. J'ai juste la photo, mais je l'ai jamais repris à l'atelier de dessin. Mais voilà, moi, je l'ai refait comme ça et c'est mon Lilet du gosier. Ça, c'est Lilet du gosier en Guadeloupe. Ensuite... J'ai jamais dit que j'étais une experte. Hein. Ça, c'est des trucs bizarres parce que Yannick m'avait dit, maman, fais-moi des trucs un peu chelous, un peu modernes. Donc, ça, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. C'est archi moche. Je sais absolument pas ce que c'est. À mon avis, j'ai voulu faire un papier peint ou je sais pas quoi. C'est des essais. C'est-à-dire que quand j'ai plus de peinture, au lieu de finir de gâcher la peinture, je préfère sincèrement continuer. Ça, c'est dans la même lancée que l'autre. Voilà. Je ne gâche jamais la peinture. Alors, chaque peinture a une anecdote. Hein. Voilà, ça j'aime bien. Ça me rappelait un papier peint quand j'étais jeune. Non mais c'est vrai. Alors, voilà. C'est un peu collé avec le temps, mais c'est pas collé complètement. C'est juste, voilà. Alors ça, bah, ça c'est ce que vous voulez. C'est horrible. C'est de l'art abstrait. Hein. Voilà, c'est de l'abstrait. Alors ensuite,
Oh là là, mais là par contre c'est saccagé. Mais là par contre c'était pour faire les finir. En fait j'avais mélangé des peintures et c'était pour finir la peinture. Tout ça là, cela, c'était, d'ailleurs c'est pour ça que je m'en fiche qu'il soit collé. Tout cela c'était pour finir les peintures plutôt que de les gâcher. Je préférais faire quelque chose avec, ça c'est moche. Ça c'était un essai. Genre avec un quadrillage derrière, vous savez, comme j'aime bien là, dans ma chambre. Ça, ben, on se demande ce que c'est. Voilà, c'est... En fait, je voulais pas perdre les couleurs. Ça m'énervait de perdre. Alors, à chaque fois, je faisais une toile, même si c'est un dessin, même si c'est quelque chose qui ne représente rien. Je voulais pas perdre les peintures. Voilà, donc ça, ça doit être un reste de... En général, je fais un tableau et après, je fais ça. Là, je l'ai saccagé complètement. Mais complètement. C'était magnifique. Je l'ai saccagé. C'est pas grave. Je sais pas si ça vous arrive. Des fois, vous faites un truc. Là, ça commençait à être bien. Là, ça c'était bien. Et après, j'ai saccagé complètement. Ça représentait un clair de lune. Ça, bah, c'est pareil. C'est pour finir. Je vous dis, je les garde toutes. Hein. Ça, c'était un de mes débuts. Ouais, un bouquet bleu. On n'a jamais vu un bouquet bleu, mais j'avais envie de faire des fleurs bleues. Après, on va arriver dans le bloc. Oh là. Oh, mais non, mais ça, c'est mort. Alors, ça, c'est complètement mort parce que c'est tout collé. Voilà, c'est foutu. Mais, alors là, franchement, c'est celui-là. Je l'ai loupé. Oh, non. Alors, celui-là, ben, c'est tout simplement un moderne. Voilà. Aussi, vous voyez, avec le temps, ça colle. Hein. Alors là, celui-là, c'est très spécial. Enfin, c'est des grands seins. Hein. C'est très, très spécial. C'est comment dire, c'est un peu, j'ai voulu faire un peu des roses des neiges, des fleurs des neiges. Vous voyez, attendez, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai voulu faire un peu des roses des neiges qui partent en pointe. Ouais, des fois, je suis un peu destroyant. Alors ça, c'était... Ben, normalement, ça, c'était un bouquet qui était magnifique, que j'ai repris. Et ouais, il faut faire un blanc et rose et noir, mais je ne l'ai plus. Et du coup, j'ai voulu reproduire, mais ça n'a pas donné ce que je voulais. Ensuite, ben alors ça... Ben, ça, c'est encore un essai de peinture. Ben là, il est foutu. J'ai déchiré. Ah, mais comment ça a collé ? Bon, c'est pas grave. En fait, on s'en fout de celui-là. Et ça, c'est ma palette. Voilà, ma palette de peinture. Ouais, des fois, je fais des dessins dessus aussi. Voilà. Voilà, je vous ai montré. J'en ai d'autres, mais je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils sont encadrés. Alors là, j'en ai plein. Il y en a chez ma mère, il y en a partout. Mais pour le coup, là, si je vais dans la... ils sont tous là-haut. Ils sont tout rangés, ils sont super bien rangés. Voilà, là c'est le bordel, il faut que je range tout. Voilà, il faut que je range tout, il y a le nounours. Je vais tout ranger. Et puis ça, c'est le fameux tableau que j'ai fait un jour, comme ça, à l'atelier. J'avais envie de faire une femme de dos, un peu, qui a le visage un peu de travers. Mais attendez, parce que je ne peux plus avancer. Voilà. Avec le chapeau. Voilà. Eh bien, écoutez, wow, j'ai un vertige. Sur ce, j'arrête parce que je suis fatiguée. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis I love you. Je vous dis je te quiero, ti amo. Et je vous laisse avec Teddy. Bye bye.